pour commencer. Alors là, j'ai mon White Spirit qui est un peu mort. Donc il va falloir faire le dessin. On va commencer avec avec du blanc, tout simplement. Déjà essayer de placer un petit peu les éléments. Il vaut mieux qu'il y ait un petit peu de vie dans les couleurs, que ça soit pas trop tout noir. Donc si je mets un petit peu de bleu dans le rouge par exemple, ou moins de rouge, ça fait vivre les couleurs, quoi. Ça les fait bouger. C'est comme si on allait jouer un petit peu avec le hasard, et ce hasard allait mettre en place les choses d'une façon plus harmonieuse que si on devait vraiment faire attention à tout. Donc là, je fais juste le petit calcul du sujet à placer. Donc comme je vous ai dit, là on a le centre, on a les cheveux qui vont être par là. Étant donné qu'il y a beaucoup de rouge dans l'image, c'est logique que dans les noirs, eh ben, il va y avoir des reflets rouges. Donc on ne va pas s'amuser d'entrée de jeu à mettre du noir avec du bleu profond dans les ombres. Ça, on le fera vraiment à la fin pour souligner encore des choses qui méritent d'être soulignées, quoi. Peut-être que les dimensions de ma toile ne sont pas les mêmes dimensions que la photo aussi, hein. C'est pour ça que pour l'instant c'est juste une première couche. On y va à tâtons. Le centre, on peut pas se tromper, il faut le choper, quoi. Le centre, il faut le choper. Il faut aussi toujours faire fonctionner son ressenti, bien sûr, parce que on n'a pas une calculette et une règle constamment sur soi. Et la meilleure calculette et la meilleure règle qu'on puisse avoir, c'est notre esprit et notre sensibilité. Ma toile n'est pas du tout dans la bonne dimension, hein. Je peux pas me fier au bord de la toile pour centrer mon sujet, hein. Ça c'est clair et net. Alors là, pour l'instant, je travaille vraiment juste le dessin, quoi. C'est à dire que je me focalise pas sur les couleurs. Je travaille avec trois couleurs: du blanc, du rouge, du bleu et du jaune, vraiment pour différencier les zones. Ça pourrait être un autre rouge, ça pourrait être un autre jaune. Si vraiment il y a un coucher de soleil ou voilà, des choses, une lumière naturelle, là à ce moment-là, oui, je ferai plus attention aux couleurs que j'utilise. Mais là, c'est une lumière artificielle, une photo retouchée en plus. Donc je laisse ça un petit peu au hasard, quoi. Alors il va falloir revenir encore couper, rajouter, tac, tac, tac. Il faut que je reprépare une palette, des couleurs. Et je vais pouvoir attaquer une seconde passe.
Thank you.
Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir mon travail en mettant un petit pouce bleu et à vous abonner si ça vous enchante. Moi je vous dis à bientôt, merci encore, prenez bien soin de vous. Bis les amis, tchuss, peace, once again, the beast to fly. Woo!